Donc, comme proposé sur la chaîne, je vais montrer comment jouer à Ascension Eternal en version solo. Mais avant de commencer, je vais expliquer comment on peut jouer à Ascension. Donc, le jeu est vraiment pas compliqué. Donc, on commence avec un nombre de points ici, des points de victoire, des honneurs, qui sont prédéterminés dans la partie. On commence avec 50 honneurs. Donc, les gros diamants rouges valent 5 points. Les petits blancs valent 1 point, donc je me garde par exemple 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 8, 8, 5, 4, 6, 8, donc ça fait 40, 50 points ici. Donc je vais remettre ces deux jetons-là dans la boîte. Donc, la partie va jouer jusqu'à ce que tous les jetons ici aient été distribués aux joueurs. Donc là, je vais jouer contre un joueur fictif. Mais normalement, on joue contre un adversaire humain. Et puis, le principe du jeu est quand même essentiellement le même. Donc, c'est un jeu de deck building où est-ce que je vais commencer avec une main de cartes prédéterminée avec des cartes de base. Et puis, je vais au fur et à mesure acheter des cartes dans un espèce de marché qui va s'appeler le Center Row. Et puis, donc de fil en aiguille, je vais améliorer mon deck pour essayer de faire le plus de points de victoire possible. Et puis, au terme de la banque, quand la banque sera vidée de tous ses points, la partie va être terminée et puis on va compter les points. On va voir là, que mon adversaire fictif, il y a une façon à lui de faire des points. Donc, il ne jouera pas de la même manière que moi. En fait, c'est très très facile. Il va ramasser deux cartes, ce que je vais l'expliquer tantôt. Mais bon. Donc c'est comme ça que ça va se terminer. Donc ça sert à la fois de points que je veux gagner et aussi un petit peu de cadran, de timer pour limiter la partie en temps. Donc si je veux que la partie se raccourcisse, je peux essayer de m'arranger pour prendre le plus de points ici possible pour finir la partie rapidement. Des fois c'est le contraire qu'on veut faire, on veut étirer la partie, donc on garde les jetons ici disponibles le plus longtemps possible pour se donner une chance de pouvoir faire plus de points que notre adversaire. Mais généralement, on veut terminer la partie rapidement. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont à l'intérieur du jeu avec lesquelles on va jouer. Donc, il y a un deck ici qui est composé d'une multitude de cartes. À l'intérieur, il y a des cartes de héros puis des cartes de monstres qui sont toutes mélangées dans le même deck. Et puis, c'est avec ce deck-là qu'on va former le Center Row tantôt. On a une carte ici qui représente un cultiste. C'est un monstre dans le fond qui est toujours disponible tout au long de la partie, qu'on peut toujours frapper pour faire des points de victoire. Je vais en reparler tantôt. On a un deck de mystique ici qui fait pas partie du Center Row, mais qui fait partie des cartes disponibles à l'achat. Même chose pour les Heavy Infantry. Donc ils vont toujours être en haut de mon plateau d'achat. Et donc ça ici c'est ma main de départ. Donc j'ai 8 apprentis et puis 2 milices. Donc les apprentis et les milices, dans le fond, dans le jeu, il y a deux sortes de ressources. Il y a les points d'attaque et les points de recrutement. Okay? Si vous êtes familier avec Marvel Legendary, vous allez très facilement comprendre ce jeu-là. Donc, on a une main de 10 cartes au départ, on brasse ça bien soigneusement, et puis on pioche les 5 premières cartes du deck, et puis ça va être notre main de départ. Ok, donc on va commencer avec ça, et puis les cartes qu'on a dans nos mains, c'est avec ça qu'on va pouvoir battre des créatures avec les points d'attaque, et acheter de nouvelles cartes avec les points de recrutement. Donc voilà, les cartes qu'on peut acheter, de quoi ça a l'air? Il y a 4 grandes familles dans le jeu. Il y a d'abord les Void. Et puis dans chaque famille, il y a 2 types de cartes. Les héros et les Construct. Donc la différence, c'est que les héros, quand on va les jouer, les cartes vont immédiatement se retrouver en face de nous. Et puis à la fin de notre tour, vont se retrouver dans notre défausse. Tandis que les Void, les Construct, c'est-à-dire ces cartes-là vont rester sur notre espace de jeu jusqu'à ce qu'on ait l'instruction en fait de devoir s'en débarrasser. Ça peut être jamais. Donc c'est des cartes qui restent en jeu. Donc puis on va voir là tout au long de la partie, il y a certaines synergies qu'il peut y avoir entre des différents constructs, de la même manière que des héros aussi.
Donc voilà, donc il y a quatre familles, comme je disais. Il y a les Void, il y a les Enlightened. Donc ça, c'est un exemple de Construct, un exemple de héros. Ok, on remarque en haut que les Construct, le texte est en blanc dans un fond noir, tandis que le héros, le texte est noir sur un fond blanc. En haut à droite, c'est le coût de la carte. Donc c'est le nombre de points de recrutement que je vais devoir générer pour pouvoir me procurer cette carte-là. Du Center Row. En bas, ici, sur la carte, c'est le nombre de points de victoire que cette carte-là va me rapporter. Donc, quand la partie va se terminer, quand on n'aura plus de jetons comme ça à distribuer, on va compter le nombre de points. Donc, on va comptabiliser la valeur des cartes qu'on a réussi à acheter durant tout au long de la partie. Et on va faire le total aussi de tous les diamants qu'on a ramassés, les points d'honneur qu'on a ramassés au long de la partie. Et puis, on va additionner ça. Et puis, c'est celui qui va avoir le plus grand total qui va gagner. Donc voilà, donc ici sur la carte, ça me dit le nombre de points. Il y a le type de héros, là, la famille, non, et c'est lui, c'était Enlightened, c'est un héros. Et puis en bas, ici, on voit un petit peu, il y a deux points, ça veut dire que cette carte-là se retrouve deux fois dans le deck. Donc voilà. Il y a une autre famille qui s'appelle les Lifebound. Donc on retrouve les mêmes informations, là, le coût de la carte, les effets, le nombre de points de victoire à la fin de la partie, le nombre de cartes identiques qu'il y a dans le deck. Donc les Lifebound, des cartes plus orientées vers des points. Donc une Construct et un héros. Et finalement les Mécana, qui ont une thématique plus robot, machine, etc. Et puis, donc, un Mécana Hero ici et un Construct. Finalement, les derniers types de cartes qu'il y a, ce sont les monstres. Donc, dans le deck mélangé, il va y avoir les Construct, les héros et les monstres mélangés. Et puis, il va y avoir dans le Center Row à la fois des monstres, des héros, tout mélangé. Et puis, si je veux battre le monstre, je vais devoir générer un nombre de points d'attaque qui est égal au chiffre en haut à droite. Si je réussis à faire ça, je vais avoir le reward ici. Donc, par exemple, si je bats le Earth Tyrant, je vais faire immédiatement 5 points. Donc, je vais prendre un 5 ici en diamant de la banque et je vais le mettre devant moi pour dire que je l'ai gagné. Et puis, je vais piocher 2 cartes. Une fois que le monstre a été battu, je vais envoyer le monstre dans le Void. Donc le Void, c'est comme une défausse spéciale où est-ce que toutes les cartes qui sont éliminées du jeu vont se retrouver. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mélanger les cartes, je vais placer Center Row, puis je vais commencer la partie. Puis je vais expliquer aussi comment on joue, comment on fait pour jouer solo une fois que le setup va être fait. Donc voici le setup de base, ok? Donc tout ce qui me reste à faire, c'est placer le Center Row. Donc j'ai mis 50 points ici pour jouer ma partie solo. J'ai mon cultiste, j'ai mes mystiques, ma pile de cultistes. Donc j'ai ici mon setup de départ pour commencer ma partie solo. Donc j'ai mis 50 points ici, hein, en jetons en diamant. Et puis j'ai mon cultiste qui est là, qui est une carte toute seule. J'ai ma pile de mystiques, ma pile de heavy infantry. Donc c'est des cartes, celles-là, c'est des cartes que je vais toujours pouvoir acheter dans les limites du stock disponible. Donc je devrais pas en manquer là, dans une partie solo. Je devrais pas acheter tant de mystiques que ça. Donc pour faire un achat, par exemple, je dois payer le prix en haut. Donc je peux toujours acheter un mystique de 3. Et puis éventuellement, quand la carte va venir dans mes mains, je vais pouvoir bénéficier de 2 de recrutement avec cette carte-là. Donc ça ici, c'est les cartes que j'ai dans mes mains au départ. Donc j'ai les apprentis qui vont me donner seulement un point de recrutement à la fois. Et puis j'ai mes 2 milices qui vont me donner 2 points d'attaque seulement. Donc si, par exemple, j'ai avec moi 2 points d'attaque dans ma première main, je vais pouvoir, par exemple, battre le cultiste une première fois parce que je vais pouvoir dépenser mes 2 points d'attaque pour battre le cultiste. Et puis ça va me rapporter 1 point de victoire. Donc, juste rappeler que ça, c'est pas un jeu coopératif, mais pas du tout. C'est un jeu totalement compétitif. Et puis là, je vais me battre contre un personnage, un joueur fictif. Tout ce qui me reste à faire, c'est le Center Row. Donc, le Center Row, il est toujours composé de 6 cartes. Et puis là, ça, c'est qu'est-ce qui est un petit peu différent avec, avec la version solo. C'est comment le méchant adversaire va jouer. Donc comment ça va fonctionner, c'est que
à chaque fois que je vais terminer mon tour, mon adversaire va toujours capturer les deux cartes qui sont les plus à droite. Et puis moi, à chaque fois que je vais acheter une carte ou que je vais battre une carte, je vais immédiatement la remplacer par les cartes qui sont à gauche, comme ça je vais les tasser. Et puis quand je vais être rendu à remplir le center row, je vais toujours prendre la carte ici puis la tourner. Puis ça va être celle-ci que je vais mettre à la suite. Okay? Donc voilà, c'est comme ça, c'est tout simplement comme ça qu'on joue la partie en solo. Donc moi, mon objectif, c'est toujours essayer de faire mieux que ce que l'adversaire va faire, l'adversaire fictif va faire. Si l'adversaire ramasse des monstres, je vais tout de suite lui donner des points avec les diamants selon ce qui est écrit sur le monstre. Par exemple, si j'ai le Earth Tyrant ici, son reward va être de 5. Mais par contre, il va jamais bénéficier du reste de la carte. Comme ici, pioche deux cartes, il va pas le faire. Il va seulement ramasser les points associés au monstre. Chaque fois que le personnage fictif va ramasser une carte qui n'est pas un monstre, et je vais pas lui donner le nombre de points. Je vais juste mettre les cartes de côté et puis je vais additionner le nombre de points de victoire seulement à la fin de la partie. Donc là, ici, c'est une course qui va se jouer entre moi et lui. On va voir ce que ça va donner. Donc, je commence à brasser mes cartes. Je vais piocher 5 cartes. Donc, on pioche la moitié du deck. Et puis, c'est toujours comme ça que le tour va terminer. Je mets mon deck ici. OK. Donc, j'ai un point d'attaque. Je pourrais rien faire avec ça. Il n'y a aucun monstre ici qui coûte un point d'attaque que je puisse me battre contre lui. Et puis j'ai pas deux points pour pouvoir faire un point avec le cultiste. Donc le cultiste, je peux toujours me prendre contre lui. Il va jamais quitter la table de jeu. Mais je peux toujours le frapper de deux. Mais là pour l'instant, j'ai juste un. Donc c'est vraiment pas efficace. J'ai quatre pourtant pour acheter. Voyons voir ce que je peux prendre. Je peux aller prendre le Void Speaker. Celui-ci, il va me coûter 4. Et puis il va me donner 2 points d'attaque quand je vais le jouer. Et puis il y a un pouvoir, lui c'est Echo. Echo, ce que ça dit, c'est que si j'ai une carte de Void dans ma pile de défauts personnelle, je vais gagner le bonus ici qui est gagner 3 points de recrutement. Donc ça, c'est bon si tu as plusieurs cartes de Void. C'est que ça peut être une Construct ou un héros. Mais bon, dans ce cas-ci, je sais pas si c'est intéressant. On va aller voir les autres. Ça, c'est un monstre, je peux pas l'acheter. Donc je peux juste me battre contre lui. J'ai le Processing Hub. Lui, c'est un Construct, Mechana Construct. Une fois par tour, si je contrôle 3 Mechana Construct ou plus, je gagne 2 points de recrutement. Donc ça, c'est vraiment pas bon tout de suite. Mais peut-être que je pourrais l'acheter pour l'empêcher, lui, de l'avoir. Donc je pense à ça. Le Dimension Diver. Lui, il a 2 de recrutement et puis je peux traiter toutes mes Constructs comme des Mechana Construct le tour où moi je joue celui-là. Donc c'est intéressant ça, jouer en combinaison avec le Processing Hub, puisque ça transforme toutes mes constructs le temps d'un tour en Mechana Construct. Ça veut dire que je vais pouvoir bénéficier de ce genre d'effet-là. Donc le fait d'avoir 3 constructs ou plus Mechana. Voilà, donc le Dimension Hub, 3 points de recrutement. Et puis j'ai 2 monstres ici que je pourrais pas battre et puis que lui nécessairement va partir avec. Donc qu'est-ce que je vais faire avec mes 4 points d'apprenti? Je pourrais aussi m'équiper avec aller chercher un mystique pour pouvoir avoir plus d'achats à partir du prochain tour. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, quand on achète une carte, on la met tout de suite dans notre défausse. Et puis, les cartes sont comme jouées. Donc, j'ai comme si j'avais mis 3 cartes sur la table. Il me reste seulement ça. Il n'y a plus rien que je peux faire. Je vais jeter le reste. Je vais piocher le reste de ma main, donc je suis supposé avoir 5 cartes là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais passer à mon prochain tour. Mais entre mes tours, le joueur fictif ramasse les 2 cartes ici, et puis il va faire le nombre de points ici qui est indiqué. Donc lui, il va faire 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4, je vais les mettre ici. Pour pouvoir comptabiliser un peu ce que lui a. Et puis, il fait 5 points. Ça commence fort. Ces cartes-là s'en vont dans le Void. Je vais mettre le Void ici. Okay. Voilà. Là, je vais pousser le Center Row. Il se posait toujours avoir 6 cartes. Donc, j'ai un Tectonic Trasher qui est un monstre ici. Puis, j'ai un Tidal Stalker.
Tidestalker. Ok. Mon tour continue. Donc, j'ai 4 points de recrutement, 1 point d'attaque. Je vais aller chercher le Void Speaker ici. Qui va me donner 2 points d'attaque. Donc, je vais pouvoir augmenter mon attaque. C'est ma première carte de Void. Et puis, si j'ai d'autres cartes de Void, éventuellement, je vais pouvoir avoir 3 points de recrutement. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre mon Void Speaker. Je vais mettre dans ma défausse. Je jette ma main. Je tasse ça. Je sors une carte. Et puis, lui ramasse ces deux cartes-là. Donc, il va faire 4 points à la fin de la partie. Il ramasse le Processing Hub et le Dimension Diver. Que je vais mettre avec ses points ici. Comme ça. Je tasse mes cartes. Voilà. Je brasse les miennes. J'en pioche 5. Et puis mon tour continue. Voilà. Alors, j'ai pioché mon mystique. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour recruter. Voyons voir ce que je peux acheter. Donc, j'ai le Nihil Mancer ici. Je pense que c'est une carte que j'aimais bien. Donc, le Nihil Mancer coûte 3. Ça me donne 2 points d'attaque. Et puis, je peux bannir une carte de ma main. Et si je le fais, je gagne 1 point d'attaque additionnel. Bon, ce que c'est bannir, c'est prendre une carte et l'envoyer dans le Void. Ça veut dire que je vais réduire la composition de mon deck au fur et à mesure que je vais bannir des cartes. Donc, habituellement, c'est pas une mauvaise chose, à moins d'avoir seulement des bonnes cartes dans ses mains. Mais au départ, on a juste des mauvaises cartes, donc c'est pas une mauvaise chose. Je pense que je vais acheter ça. Je vais l'acheter pour 3. Donc, je vais dépenser mon mystique et un apprenti. Et puis, il me reste 3 points. Remarquez aussi que je ne refais pas le center row tant et aussi longtemps que mon tour n'est pas terminé. J'ai ici le Cheerful Consort qui peut être bien intéressant. C'est un Lifebound Hero. C'est pas un Void, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant quand même. Il me coûte 2, donc je peux me le permettre. Et puis, chaque tour que je vais jouer, je vais prendre un point de victoire puis je vais piocher une carte. Donc, ce que je vais faire, je vais l'acheter avec mes 2 points de recrutement. Je vais le prendre, je vais le mettre dans ma défausse et puis je vais jeter ma dernière carte qui sert à rien. Mes cartes s'en vont à droite comme ça. Voilà. Lui tue les 2 monstres ici, donc il fait 8 points. Je vais lui donner 10. Hop, je vais lui donner 10 et je vais reprendre 2. Comme ça. Et puis j'envoie ça dans le Void. Je tasse les cartes. Je vais jeter les miennes, pas mêler. Le Processing Hub. Et puis, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'ai 2 milices ici. J'ai 3 apprentis. Est-ce que j'ai une bibitte de 3? De 2? Non, j'ai juste une bibitte de 3. Et puis, j'ai juste 3 points de recrutement. Donc, il y a le Processing Hub que je peux aller acheter. Qui va me donner 3 points si je l'achète. Et puis, c'est un Mechanic Construct qui va rester en jeu tout le temps. J'ai le Workshop Gargoyle ici. Qui, une fois par tour, quand je gagne ou que je m'achète un Mechanic Card, je fais 1 point de victoire. Ce qui n'était pas une mauvaise chose. Mais faut que la carte soit installée pour pouvoir faire son pouvoir. Et j'ai le Faithful Guide qui est un Enlightened Hero. Ça me fait piocher une carte. Et puis, si j'ai joué un Mystique ou un Heavy Infantry ce tour-là, je gagne 2 points de victoire. Seulement pour avoir joué celle-là. Par contre, il me rapporte seulement 1 point. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais acheter avec mes 3 apprentis le Processing Hub ici parce qu'il vaut 3 points. Puis je vais éviter que le fictif ramasse cette carte-là. On va voir de toute façon comment ça fonctionne, les mécanas. Et puis j'ai 2 points ici. Je vais aller battre le cultiste une première fois parce que le cultiste, c'est une carte que je peux toujours aller battre avec 2 points. Donc je vais faire 1 point de victoire que je vais mettre là. Je jette mes cartes, je tasse les cartes. Et puis je vais pouvoir refaire ma main. Ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il bat ces deux cartes-là. Il va faire 4 points. Oups. Il fait 4 points avec le Tide Stalker. Et puis, il fait un Workshop Gargoyle. Je sors des cartes. Donc, c'est sûr, au début, là, c'est surtout lui qui fait des points. Éventuellement, c'est moi qui vais en faire. Donc, la partie, elle avance très vite.
Je sais pas si je vais être capable, j'ai pas été chanceux beaucoup dans mon ouverture, là. Il a ramassé beaucoup de points. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans le fond, c'est les. Si je peux tuer les bébites avant lui, ça va éviter qu'il ramasse ici les points, là. Ok, donc j'ai ici le Processing Hub dans ma main. Et donc, c'est un construct, je peux toujours l'avoir devant moi. Je l'installe, et voilà. Il sera plus dans mon deck. Et puis, il fait tout de suite son effet au moment où je le joue. J'ai mon Void Speaker qui est 2 points d'attaque. Et puis, j'ai mon Mamilis qui est 1 point d'attaque supplémentaire. Donc, j'ai 3 points d'attaque. Et puis, ça dit si j'ai mon Void Speaker, si j'ai un Void dans mon Discard Pile, je gagne 3 points de recrutement. Mais dans mon Discard Pile, j'en ai pas pour l'instant. Donc, c'est pas bon. Et j'ai 2 points de recrutement. Ok, bon, je vais essayer de faire du ménage vite vite de mon deck, là. Je vais aller chercher l'Abolisher. Donc, l'Abolisher, lui, il va me donner 1 point de recrutement, puis je peux bannir une carte de ma main, puis si je le fais, je vais faire 1 point de recrutement supplémentaire. Ça, c'est une autre façon de faire du ménage de son deck. Je vais l'acheter pour 2, avec mes 2 points d'apprenti. Et puis, avec mes 3 points qui restent, il n'y a pas de monstre dans le center row qui peut être battu avec 3, fait que je vais battre le cultiste une fois. Je vais prendre 1 point, puis je vais mettre ça là. Je finis mon tour. Je garde mon construct ici. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va battre ces deux cartes-là, ces deux cartes de héros. Je vais les mettre avec sa pile. Et puis, je remplis. Ok, là, il y a des bébites. Voyons voir ce qui va se passer. Donc, j'ai vraiment une main de départ. Ça, c'est vraiment pas le fun. Par contre, si je fais attention, il va pas aller chercher les cartes ici. Parce que les cartes du center row, ils vont toujours de gauche à droite. Et puis, donc, il va ramasser ces deux-là, là, ces deux petits 1 point. Donc, si je fais attention, je vais voir, là. Bon, probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 3 points pour aller chercher le Shadow Star. Le Shadow Star, c'est une carte qui vaut 3 points. Et puis, ça va me donner, c'est un construct, ça veut dire que ça va toujours être sur la table. Et puis, ça va me donner 1 point d'attaque tout le temps, par tour. Donc, je vais l'acheter pour 3. Donc, je vais prendre mes 3 apprentis, je vais les mettre de côté. Et puis, il me reste une milice et un apprenti. C'est pas bon. Je jette le tout. Lui, il ramasse les 2. Ici. Il fait 2 points de plus. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je remplis le center row. Comme ça. Là, j'ai 2 bébites. J'espère qu'elle va avoir assez de pouvoir pour pouvoir me battre contre elle. Ok, donc j'ai ici dans ma main, j'ai le Cheerful Consort qui me donne 1 point MVP Vision 4. Donc, je vais la jouer tout de suite. Ça me fait prendre 1 point tout de suite. Et puis je pioche une carte. Je vais devoir rebrasser mon deck. J'aimerais ça piocher une Void, quelque chose. Je pioche. Un apprenti. C'est pas ce que j'espérais. Le Nihilmancer, lui, va me donner 2 points d'attaque. Et puis, 1 point additionnel si je défausse une carte, si je détruis une carte puis j'envoie une carte dans le void. C'est ça que je vais faire. Je vais prendre un apprenti, je vais le mettre dans le void. Ça veut dire que mon Nihilmancer va me donner 3 points d'attaque. Mais dans le fond, le 3 points d'attaque ne fera pas de différence. Si j'ai pas de bébites qui valent des points d'attaque, tout ce que je peux faire, c'est battre le cultiste une fois. Donc, c'est ça que je vais faire avec mes points d'attaque. Mais j'ai surtout envoyé une carte poche dans le void. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai 4 points ici pour acheter. Je vais aller chercher un autre Nihilmancer pour attaquer. Parce que là, je vois qu'il est en train de faire vraiment... Il me fait vraiment mal avec les créatures. Là, donc, il faut vraiment que j'arrive à les battre. Et puis, ça va me permettre de diluer mon deck encore. Donc, j'achète tout ça. J'achète ça. Lui, il ramasse les deux ici. Il fait un total de 10 points. Ça va vraiment pas bien pour moi en version solo pour l'instant. J'envoie ça dans le void. Je retourne les 3 cartes ici. Donc, il y a des bébites. Je pige 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je commence mon tour. Ok. Donc là, j'ai mon construct ici qui va toujours me donner 1 point d'attaque. Toujours. Et puis... J'ai mon Abolisher. Ok, mon Abolisher ici va me permettre de faire le KO. Ben, pas le KO, mais de mettre dans le void un apprenti.
pour me donner un point de recrutement supplémentaire. Je vais l'utiliser pour acheter le Hara Medium. Le Hara Medium, ce que ça fait, c'est que je peux bannir cette carte-ci. Quand je vais la jouer, je peux la bannir pour gagner un Mystic ou un Heavy Infantry gratuitement et l'ajouter à ma main. Donc c'est pas bon tout de suite, ça va être bon tantôt. Donc je le jette là. Et puis avec le Void Speaker, je vais faire la même chose. Je vais jeter un apprenti pour avoir plus 1. Ah non, c'est pas ça que ça fait. Le Void Speaker, c'est si j'ai un Void dans ma défausse, ce que j'ai. Donc j'ai un Nihilmancer. Il va me donner 3 points de recrutement. Donc j'ai 3 points plus 1, ça fait 4. Je vais... j'ai pas ce qu'il faut pour aller acheter des choses intéressantes, mais je vais aller chercher 2 Heavy Infantry pour augmenter ma force de frappe. Parce que là, lui, il est en train de m'avoir bien raide avec les monstres. Puis ça, je peux pas accepter ça. Donc voilà, c'est ça qui va être mon tour. Je vais... en fait, j'ai avec le Void Speaker et le Shadow Star, j'ai 3 points d'attaque. Je vais attaquer le cultiste une fois. Comme ça. Voilà, je jette mes cartes. Et puis, lui va capturer ces deux cartes-là, qui se trouvent être un Shadow Blade 4 et un Battery Monk. Et je remplis mon Center Row. Ça va vraiment pas bien, mes affaires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir quelle main plate je vais avoir. Et voilà, donc j'ai une main vraiment pas bonne. J'ai 2 d'attaque avec mes apprentis, puis j'ai 3 apprentis, puis j'ai 2 milices. Donc, avec mes 3, je vais aller chercher une carte qui vaut le plus cher. Donc, ils n'ont pas vraiment de valeur autre que ça. Je vais aller chercher le Elder Skeptic. Le Elder Skeptic, lui, il va, quand je vais jouer, il va me faire piocher 2 cartes et puis je vais défausser une carte de ma main. Donc, je vais mettre ça là. J'ai utilisé mes apprentis. J'ai 3 points pour me battre. Je peux juste battre la cultiste une fois, fait que je vais faire un point. Je vais jeter ma main. Comme ça. Et puis, lui va battre les deux du bout. Il va faire 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 7, il reste juste 5 points. Je pense qu'il est vraiment en train de me torcher en ce moment. Vraiment. Je sors mes cartes. Je tourne ça, je brasse. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un apprenti, un Nihilmancer. Bon, ok, je vais jouer le Elder Skeptic. Je pioche 2 cartes et ensuite je défausse une carte. Donc je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Et là, je vais défausser les cartes. Bon, lui. Lui me donne 2 points d'attaque. 1, 2, 3. Ok, j'ai quand même bien des points d'attaque, mais là, ça donne bien mal. Il n'y a pas de monstre à part le cultiste. Ça va vraiment pas bien. Ok. Est-ce que je peux acheter une grosse carte? Quelque part. Comme Kiri Meadow Witch. Est-ce que je peux acheter ça? Elle, ce qu'elle peut faire, c'est que je pioche une carte et puis j'ai Unite. Si j'ai joué une autre carte Life Bound ce tour-là, je fais 5 points de victoire. Mais il reste juste 5 points. Donc c'est un petit peu trop tard. Ok. Il faut que je défausse une carte à cause du Elder Skeptic. Donc je vais jeter le Nihilmancer. Je vais jeter le Nihilmancer pour avoir dans ma défausse. Pour avoir dans ma défausse un Void. Et puis le Void Speaker, lui, il me donne. Il va me donner 3 points de recrutement si j'ai une carte dans le Void. Donc j'ai 3 points de recrutement. 4, 5 pour acheter quelque chose. Aïe. Je vais acheter le Fist of the Dragon parce que lui il vaut 3 points. Et puis il va me permettre de bannir des cartes du Center Row. Ça peut être intéressant pour éviter que lui ramasse des cartes bonnes. Donc je vais acheter lui. Et puis j'ai combien de points d'attaque? J'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. Je vais attaquer le cultiste 2 fois. Il reste juste 3 points au centre. Je jette tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va gober les deux cartes du bout que je vais mettre dans sa pile. Comme ça, les bibittes sortent. Et je commence mon tour.
Alors, j'ai le Cheerful Consort ici qui va me donner un point de victoire et piocher une carte. Je vais faire mon point, je vais pas cracher dessus, je vais piocher ma carte. Le Ara Medium va me permettre de bannir cette carte-ci pour ramasser soit un Mystique ou un Heavy Infantry. Je vais bannir la carte pour aller chercher un Heavy Infantry et je la mets dans ma main. Donc là, il se trouve que j'ai le Nihilmancer. Je vais jouer le Nihilmancer pour faire son pouvoir, je vais envoyer une carte poche dans le Void pour avoir plus 1 d'attaque. Donc là, lui me donne 3 points d'attaque. 3, 4, 5. Je vais à 3, 4, 5, 6 avec le Shadow Star. Et ensuite, j'ai 2 points de recrutement qui me serviront à rien. Donc, j'ai 5 ici. Ça me donne 4 points. Donc, j'ai dit j'avais 5. J'ai 6. Donc, je pourrais. Ça me donne 4 points. Ça, ici, ça me permet de bannir des cartes. Ouais, ok, je vais aller chercher celle-là, le Haunting Spectre. Donc, le Haunting Spectre me donne 4 points. Et puis, quand il manque de points dans la banque, donc en fin de partie, je vais faire les deux qui sont ici. Et pour simuler les deux qui manquent, je vais prendre deux autres cartes de Heavy Infantry ou de Mystic. Parce que de toute façon, ils valent chacune un point. Tout ce qui est important de savoir, c'est que la partie est terminée parce qu'il n'y a plus de points disponibles. Donc, je vais prendre ces deux points-là, je vais l'ajouter à mon deck, tout simplement. Et puis, ça dit « You may banish up to two cards in your hand and or discard pile ». Je peux bannir ces deux-là. De toute façon, les cartes de base valent 0. Donc, je peux bannir ça va faire ça moins à trier. Et puis, donc, j'envoie ça dans le Void. Il ne reste plus de points, la partie se termine. Et puis, voilà, on va compter les points. Donc, pour compter les points, je vais regarder toutes les cartes qui m'appartiennent que j'ai été capable de me procurer durant la partie, plus tous les points que j'ai ramassés ici. Je fais le total, je compare mon total à l'autre, et puis on va voir qui gagne. Donc, vite fait, je pense que je me fais torcher. Mais voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. J'ai 13 points ici. 13 plus 5, 18. 18 plus 2, 20. J'ai 20 points là. Et puis, j'ai 24 au total. Donc, lui, juste en diamant, il y a 10, 20, 30, 35, 39. Plus toutes les cartes qu'il a ramassées. J'ai vraiment eu une mauvaise partie ce coup-là. Mais, comme c'est très facile à faire un reset de cette partie-là, je vais en faire une immédiatement, puis je vais rejouer. Donc, regardez bien ça, ok? Je reprends tous les diamants, je les mets de côté. Je fais prendre toutes les cartes blanches qui font partie de ma main de départ. Voilà, toutes les cartes dans le Void qui font partie de ma main de départ. Voilà. Les cartes noires s'en vont dans le deck. Ça, c'est toutes les cartes à contour noir. Ça s'en va dans le deck. Les cartes à contour gris, je les retrie. Comme ça, Heavy Infantry. Un contour noir, contour gris, et voilà, je brasse le deck, merci, j'ai fini. On peut continuer une autre partie. Donc, je suis prêt. J'espère avoir plus de succès cette fois-ci. Voilà, on est prêt. J'installe mon center row. Donc, le Lagoon, le Void Speaker, Umbral Edge, Shadow Sentry, le Piercing Eye et finalement le Workshop Gargoyle. Quand même des grosses cartes en partant, c'est pas vraiment le fun. Je vais brasser mes cartes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai 5 pour recruter, c'est quand même pas pire. Ok, le Shadow Sentry, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, j'ai 3 points d'attaque. Et puis, si j'ai un Void dans ma Discard Pile, je pioche une carte. C'est ça que je vais faire. Que je vais tout de suite aller acheter une grosse carte. Je vais aller dépenser 5 pour acheter lui, pour avoir 3 points d'attaque tout le temps. Et puis, la bébite me gobe cette carte-là et le Lagoon qui lui donne 2 points de victoire. Voilà. Et voilà, dans le Void. Toutes les cartes sont tassées. Je pioche pour remplir le Center Row. Mon tour continue. Donc là, ici, j'ai mes deux milices, j'ai mes trois points d'apprenti.
Je vais aller chercher. Là, je pense que j'ai compris là, que dans la partie aller tuer les bibittes, c'est vraiment très 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 important. Je vais aller chercher avec mes 3 points le Shadow Star, qui est un construct qui va me permettre d'avoir un point d'attaque chaque tour. Chaque tour. Comme ça, j'ai 2 milices. Je vais battre les cultistes une fois. Voilà. Excellent. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça comme ça. On peut se voir un petit peu combien il en reste. Je jette toutes mes cartes. Le Umbral Edge s'en va, ramassé par mon adversaire, ainsi que le Piercing Eye. Très dommage, mais que voulez-vous, c'est ça. Donc, je lui donne ça lui donne 4 points de plus. Je remplis. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà mon Shadow Blade ici. J'ai une bibitte là que je vais pouvoir aller battre, donc je vais le faire tout de suite. Je vais utiliser mon Shadow Blade Sentry avec mes 3 points d'attaque pour aller battre le Lagoon Troll. Le Lagoon Troll me donne 2 points tout de suite et puis me fait piocher une carte et je l'envoie dans le Void. Je pioche une carte. Ok. Il me reste 2 points de milice que je vais utiliser pour aller battre le cultiste une fois. Et puis j'ai 3 cartes pour l'apprenti. Ça c'est Rocket Courrier, Faithful Guide. Si j'ai joué Mystic ou Infantry, j'en ai pas encore. Ok, je vais vouloir que ce tour-ci il aille chercher ces deux cartes-là pour pas aller chercher ces deux-là. Parce qu'on se rappelle qu'il ramasse tout le temps les deux cartes du bout. Celle-là vaut 4 points, celle-là vaut 4 points. Donc je veux pas qu'il ramasse les deux, je préfère qu'il ramasse ces deux-là. Donc je vais pas acheter elle. Je vais acheter. Je vais acheter la Dimension Diver qui me donne 2 points de recrutement. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Boum. Lui ramasse les deux cartes ici. Le chanceux. Et puis je remplis mon Center Row. Je ramasse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mon Shadow Star qui va me donner un point d'attaque chaque tour constamment. Jusqu'à ce que le construct s'en aille. J'ai 4 points pour recruter. J'ai le Processing Hub ici. J'ai un Abolisher. J'ai un Elder Skeptic. Je peux pas acheter le Shadow Blade, tristement. Je vais aller chercher le Processing Hub pour faire 3 points ici. Donc je vais prendre le 3. Je vais mettre ça dans ma discard pile. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Ça s'en va comme ça. Lui, il ramasse les deux cartes du bout. C'est triste. Et puis j'en sors 3 autres. Voilà. Je pioche 5 cartes. Une. Deux, trois, quatre, cinq. 5 apprentis. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ici, draw a card. 5 draw a card. C'est juste draw a card. Mais si j'ai joué ou si je joue ou si j'ai joué à un autre Lifebound Hero ce tour-là, je fais 5 points. C'est vraiment, vraiment. Ok, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais aller prendre le Abolisher ici pour 2. Et puis le Hara Sensei. Donc le Hara Sensei, lui, je veux juste rappeler ce qu'il fait, c'est qu'il me permet de bannir une carte de ma main. Et si je le fais, je vais gagner un Mystic ou un Heavy Infantry gratuit et je l'ajoute à ma main. Fait qu'il transforme mes apprentis en Mystic ou en Heavy Infantry. C'est vraiment un enseignant qui va booster notre deck. Fait que lui, une fois de temps en temps, il va changer mon deck en un coup sans que j'ai besoin de dépenser pour aller chercher des trucs. Donc ça va être ça. Je vais acheter le reste de ma main. Lui, il ramasse les deux cartes. Il ramasse le Dimension Diver et le Elder Skeptic. Ok, j'ai un Rocket Courrier ici qui vaut quand même 4 points. Ça, c'est pas à négliger. J'ai le Void Speaker. Ok. Voilà, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux me battre un peu? Oui! J'ai 2 milices ici pour 1 point chacun, plus mon Shadow Star, ça fait 3 points d'attaque. Et je vais pouvoir battre le Tidal Talker. Le Tide Stalker. Je vais l'envoyer dans le Void et puis il me donne immédiatement 4 points de victoire. Je vais prendre un 5, je vais ramener un 1. Donc ça, c'est mes 2 points ici. J'ai 3 points de recrutement.
Je veux pas qu'il ramasse le courrier tout de suite, mais je vais aller chercher un mystique pour avoir 2 points constamment, constamment dans mon jeu. Donc ça va être ça. Donc il ramasse le Battery Monk et Kiri qui donne 3 points. Au moins il bat pas de bibitte ben ben. Ça c'est quand même une chance ce coup-ci. Le Face Fiend ici, le Corrosive Widow, Spike Vixen. Ok, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3. Ok, est-ce que je veux pas me battre? J'aimerais ça me battre. J'ai le Dimension Diver ici, ça me donne 2 points de recrutement. Ok, j'ai mon Processing Hub qui me dit qu'une fois par tour, si je contrôle 3 ou plus Mechana Construct, je peux gagner 2 points de recrutement. Fait que moi, je vais mettre ça ici. Je vais les mettre pour que je puisse bien les voir. Donc, celui-là va me permettre, quand je vais en avoir 3, ça sera pas des Mechana Construct. Par contre, mon Dimension Diver, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer mes autres constructs en mécana. Fait que là, ça va triggerer le 2 points de recrutement. Mais je l'aurai pas tout de suite. Donc, j'ai 2 points de recrutement avec cette carte-là, plus 2 autres, ça fait 4. Je vais aller chercher le. Je vais aller chercher le Rocket Courrier qui vaut 4 points. C'est quand même pas mal intéressant. Je veux l'empêcher, lui, de l'avoir. Et puis, c'est un mécana construct. Ça, c'est positif. Une fois par tour, quand je vais gagner un Mechana Construct, je peux le mettre dans ma main. Donc je peux l'acheter et le mettre tout de suite parce que je l'ai dans ma main. Et ça, c'est vraiment le fun. Je vais l'acheter, le mettre dans ma Discard Pile. Donc ça m'a coûté 4 points. Il me reste 3 points plus 1, il me reste 4 points à dépenser. Je vais aller battre la Corrosive Widow qui me donne 3 points de recrutement, 3 points de victoire. Donc je vais remettre 2, je vais prendre un 5. Et puis chaque opposant doit détruire un construct qu'il contrôle, mais là lui il en a pas, c'est pas un vrai opposant. Donc je vais l'envoyer dans le void, c'est tout. Je jette ma main, je tasse ça. Lui il va ramasser le Void Speaker et le Elder Skeptic. Et puis je remplis. Un autre Shadow Star. C'est le deuxième et le dernier Shadow Star, je le sais parce que sur la carte, il y a 2 petits points blancs en bas. Ça me dit combien d'exemplaires il y a de la carte dans le deck. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va mieux que tantôt. Ok. Donc, ici, j'ai 4 apprentis, une milice. Bon, la milice ici, vas-tu me permettre de tuer quelque chose? Oui, je peux battre le Phase Fiend. Sauf que lui, quand il va se faire ramasser par mon adversaire imaginaire, il va faire seulement 1 point. Donc, je suis pas vraiment intéressé à lui enlever. Par contre, si je vais utiliser les apprentis ici pour aller acheter le Shadow Star pour éventuellement avoir 2 points d'attaque tout le temps. Donc, à chaque tour, je vais pouvoir aller battre le cultiste au moins une fois. Ça, c'est fun. Donc, avec la milice et mon Shadow Star, je vais aller battre le cultiste une fois. C'est ça que je vais faire. Je jette tout ça. Je tasse. Lui, il ramasse ces 2 cartes-là. Donc, il va faire. Avec le Phase Fiend, il va faire 1 point de victoire. J'envoie ça dans le Void. Et puis, il ramasse le Spike Vixen. Je remplis le Center Row. Ok. Le Everbloom, c'est le fun. C'est un autre construct qui reste en jeu qui va me donner 1 point de victoire chaque début de tour. Je ramasse mes 5 cartes et puis je joue mon tour. Bon, j'ai un Abolisher ici, j'ai un Mystique, des Apprentis puis une Milice. Bon, ok, j'ai 2 points d'attaque, j'ai rien de mieux à faire avec mon attaque, je vais aller battre le Cultiste une fois. Donc j'ai utilisé ma Milice et j'ai utilisé mon Shadow Star. Mon Abolisher va me permettre de me débarrasser d'une carte poche, donc je vais me débarrasser d'un apprenti, puis mon Abolisher va me donner 1 point de recrutement en faisant ça. Donc dans le fond, je jette un apprenti, mais je perds rien parce que je jette 1 point de recrutement, et puis ça m'en fait gagner un. Donc je jette, et puis il va me rester 1, 2, 3, 4, 5 points pour recruter. Le Everbloom est vraiment intéressant. Là. Je vais aller le chercher. J'aime bien ça, mais les Constructs qui me donnent des points tout le temps. L'Everbloom, je trouve que c'est une belle carte. Je vais aller l'acheter. Je vais mettre ça dans ma défausse. Je jette tout ça. Lui, il ramasse les 2 cartes. Le Cheerful Consort.
le Delirium Pixies, ça va lui donner 2 points. Fait que je vais prendre ces 3, je vais lui donner un 5. Voilà. Et j'envoie ça dans le Void. Je vais prendre soin d'acheter mes cartes. Je sors 3 autres cartes. Donc ici, j'ai un beau Plasma Cannon qui vaut 8 points. Donc ça serait vraiment intéressant que je dois, si je pouvais aller l'acheter. Ce que ça fait, c'est que c'est un Mechana Construct. Et puis une fois par tour, si je contrôle 4 ou plus Mechana Construct, je peux acquérir ou défaire n'importe quelle carte du Center Row gratuitement. Fait que ça, c'est un canon qui annihile n'importe quelle bébite ou qui me permet d'acheter n'importe quelle carte, peu importe le prix. Donc je vais faire 1. J'aimerais ça aller l'acheter, mais ça presse pas tant que ça. Je peux attendre 1-2 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'ai mon Rocket Courrier que je vais aller placer tout de suite. Donc c'est ma deuxième carte. C'est mon deuxième construct ici, Mechana. J'ai l'Abolisher qui va me permettre de détruire une carte. J'ai mon Hara Sensei qui va pouvoir me permettre de transformer une carte aussi. Ok, qu'est-ce que je veux faire? Je veux acheter quelque chose. J'aimerais ça acheter le Plasma Cannon. Est-ce que je vais pouvoir? Je penserais pas. Je vais bannir une carte de ma main. Je vais bannir la milice ici. Puis je vais acheter un mystique que je mets dans ma main. Donc ça, c'est mon Hara Sensei. Ici, j'ai un. Et puis si je bannis une carte de ma main, j'ai un supplémentaire. Donc ça donne rien de pas le faire. Je vais bannir un apprenti. Puis je vais pouvoir avoir plus un avec mon Abolisher. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points pour acheter. Et puis j'ai un point d'attaque qui me serviront à rien ce tour-ci. Donc 1, 2, 3, 4 pour acheter. Ici, il n'y a rien de bon. À 4. Ok, Fist of the Dragon. Non. Ça me fait piocher une carte. Après ça, je bannis une carte du Center Row. Si la prochaine carte qui rentre, c'est un monstre, je le bats gratuitement. Ok, je vais faire ça. Je vais acheter ça. Je me lance là-dedans. Je vais acheter toutes mes cartes. Mon deck s'en vient de mieux en mieux. Mon adversaire ramasse le Lagoon Troll qui fait 2 points. Et ça s'en va dans le Void. Et puis il ramasse le Nihilmancer. 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement, je vais avoir mes deux Shadow Stars qui vont me donner un point par tour. 1, 2, 3. Ok. Le Plasma Cannon, il s'en va dangereusement à droite. On va voir ce que je peux faire. Probablement que je peux rien faire. Donc j'ai le Shadow Star ici, mon deuxième Shadow Star. J'ai 4 points pour recruter. Donc je peux pas acheter mon Plasma Cannon. Ça sera pas ce tour-ci en tout cas. Je peux acheter le Animus of the Wild. Lui, il va me donner 2 de recrutement et je paye 1 de moins la prochaine fois que j'acquiers un héros ce tour-ci. Donc c'est un 2 qui vaut 3 si j'achète un héros. Qu'est-ce que je fais? Je pense que la première chose que je puisse faire, mais je peux battre le cultiste une fois avec mon 2. Je vais pas battre lui parce que je préfère que mon ennemi imaginaire gagne 1 point ici au lieu de faire tout de suite 4 et 8. Je préfère qu'il fasse 1 et 4. Donc je vais utiliser mon cultiste comme ça. Avec mon 4, je vais Je vais aller acheter Animus avec mon 4. Je ferai du ménage plus tard. Ensuite, lui ramasse ça. Il ramasse Tien de Wolf King. Et puis le Phase Fiend. Ça va lui rapporter 1 point de victoire. Bye bye dans le Void. Je remplis ça. Le Center Row. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai mon Shadowblade qui est revenu, j'ai mon Everbloom. Ok, là je commence à avoir bien des constructs. Donc là j'ai 1 point de victoire tout de suite, parce que mon Everbloom me donne 1 point par tour. J'ai 2 points d'attaque ici, j'ai mes Rockets, mes trucs machin. Bon, j'ai mon Shadowblade qui me donne 3 d'attaque. Et puis si j'ai une Void card dans ma discard pile, je vais piocher une carte. Je vais regarder voir si j'ai une Void. Oui, j'ai mon Abolisher ici. Donc ça me permet, à cause que je joue mon Shadowblade Sentry, j'ai 3 points d'attaque et puis je peux tout de suite piocher une carte. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour me battre. Il n'y a rien à battre. Par contre, je peux battre le cultiste 3 fois. C'est ça que je vais faire. Donc je vais faire 6 points.
Je vais battre Octis 3 fois, donc je vais faire 3 points. Je vais me défausser de 2 points, je vais prendre un 5. Et puis j'ai 4 points pour recruter. Tristement, le placement canin s'en va. Ozia le Peerless aussi. Commission Idol, je peux pas l'acheter tout de suite. Ah, c'est poche. C'est poche, poche, poche. Je vais aller chercher un Mystique. Je jette le reste de ma main. Et puis lui ramasse ces deux belles cartes-là. Ça, c'est peut-être la partie, par exemple. Je sais pas. Je remplis des bibittes. Une. Deux, trois, quatre, cinq. Voyons voir ce que j'ai ici. Ok, j'ai le Dimension Diver. Lui, il transforme tous mes constructs en mécanas. Mais d'abord, j'ai mon Everbloom qui me donne un point. Je vais le prendre. J'ai le Fist of the Dragon. Je peux bannir une carte du Center Row. Ok. C'est ça que je vais faire. Donc, le Fist of the Dragon, lui, je vais bannir une carte du Center Row. Pourquoi je ferais ça? Ben, c'est pour d'abord faire rouler les cartes. Comme ici, là, tantôt, il n'y avait pas de monstre. J'aurais voulu peut-être faire sortir un monstre. Fait que ça aurait été un avantage de faire bouger les cartes au centre. Mais... ici, je sais que mon adversaire va ramasser cette carte-là, et puis cette carte-là vaut 5 points. Donc je vais bannir cette carte-là du Center Row. Je la bannis tout de suite. Et puis si la prochaine carte à rentrer dans le Center Row c'est un monstre, je la bats gratuitement. Ouais, c'est un monstre. Donc merci, Fist of the Dragon. C'est un Hunting Spectre. Je vais gagner 4 points et je peux bannir jusqu'à 2 cartes de ma main et ou de ma discard pile. C'est dommage, j'ai plus de discard pile. Mais je vais d'abord faire mon 4 points. Je vais prendre un 5 et je vais remettre un 1. Et puis, ça s'en va dans le void. Et puis, je peux bannir jusqu'à 2 cartes de ma main. Ouais, c'est pas des cartes que je veux bannir, mais je pourrais bannir elle. Je vais regarder voir si ça va faire une différence. Donc, j'ai 1, 2 points d'attaque. 2, 1, 2 points d'attaque. 2, 3. Non, je vais pas bannir de cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon Hara Sensei pour transformer ma milice en quelque chose d'utile. Ouais, je vais transformer en mystique. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir... Non, je ne transformerai pas en mystique, je vais transformer en Heavy Infantry, puis je vais expliquer pourquoi. Mon Dimension Diver, lui, transforme tous mes constructs en mécana. Et puis, on se rappelle que mon Processing Hub, ici, il me dit que si je contrôle 3 mécana constructs ou plus, je gagne 2 points de recrutement. Donc, c'est ça que ça va enclencher, ça. Okay? Quand je vais jouer mon Dimension Diver, je vais gagner 2 points de recrutement. Et cette carte-là me donne 2 points, je vais avoir 2 points de plus. Et puis, avec mon Mystique, je vais avoir 2 points de plus de recrutement. Ça va faire 6 au total. Donc, je vais faire 6. Ça va me permettre d'aller chercher... Core Master Innovator qui va me donner 4 points d'attaque. Et puis si je contrôle 2 ou plus Construct, if you control 2 or more Construct, peu importe la sorte, draw 2 cards. Wow! Super belle carte. Puis c'est 3 points. Fait que je vais pas jeter ça. Je vais l'acheter. Et puis il me reste 2 points. 2 plus 2, 4. Je vais aller battre le Tide Stalker ici pour 4 points. Je vais faire ça. Je vais remettre un 1. Ça, c'est un gros tour. Donc, je vais jeter toutes mes cartes. C'est pas un Mechanic Construct? Non, ok. Parce qu'on se rappelle aussi que le Rocket Courrier me permet, quand j'achète un Mechanic Construct, je peux tout de suite le mettre dans ma main. Donc, c'est pas le cas. Lui, il va ramasser les deux cartes du bout, donc c'est 3 points. Et puis, Samael. Il semblerait dans les règles que je t'aurais me prendre contre Samael, contre lui. C'est lui mon adversaire imaginaire. Ok, et là, ici, il y a bien du monstre. Ça va être payant pour lui si ça trigger. Je vais piger mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais gagner mon 1 pour mon Everbloom. J'ai Animus. Ok, là, ça, c'est bien de l'achat. J'ai pas rien pour me battre à part mes deux Shadow Star. Je peux vraiment... bon, je peux acheter... Il faut que j'achète la carte la plus chère possible. Ou les cartes les plus chères possibles. Ok, je vais utiliser mes Shadow Star pour battre le cultiste une fois. Ça va me faire un point. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 si j'achète un héros.
Donc, je vais aller acheter ce héros-là pour 2. Donc, il va me rester 6 points à dépenser. Puis, je vais acheter le Hara Medium. Là, tout ce que je fais, c'est que je ramasse des cartes pour pouvoir avoir des points, là. Et puis toutes les autres cartes, là, ça me sert à rien vraiment de les avoir. En fait, là, j'ai dépensé. Oui, j'ai dépensé 4 points sur 8. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 points. Il me reste 8 points ici. Je vais acheter 2 Heavy Infantry parce qu'ils me coûtent chacun 2 puis ça va me donner chacun un point. Mon tour se termine comme ça. Lui, ça va faire mal. Il ramasse 6 points. Et puis l'autre lui donne 3 points. Donc, je vais lui donner un 5, je vais reprendre un 2. Ok, la partie achève. Je vais remplir le center row. Là, faut pas oublier que ça, c'est une genre de partie normalement qui se joue à plusieurs. Là. Donc, normalement, on est en compétition avec les autres joueurs. Là, je joue contre un joueur fictif qui ramasse les deux cartes du bord. Là, mais habituellement, on se prend contre d'autres joueurs. Donc, on se bat de vitesse pour être capable d'acheter les cartes qu'on veut, pour être capable de battre les monstres qu'on veut. Etc. Et puis il y a des cartes aussi qui ont des effets sur les autres, comme il y en avait une tantôt qui détruisait les constructs des autres ou des trucs comme ça. Donc on peut coordonner nos attaques en fonction du setup de la table. Donc qu'est-ce que je peux faire à mon tour? Donc j'ai la Bullisher ici. Ça c'est un no-brainer, je vais le faire. Je vais discarder un apprenti pour avoir plus un de recrutement. Je vais faire mon Everbloom. Donc j'ai 1, 2 points de recrutement, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je vais aller regarder les cartes qui donnent le plus de points de victoire en bas. Donc ça donne 3, je vais aller l'acheter. Donc j'ai utilisé mes 6 points ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 points pour me battre. Et puis en plus si j'ai une void dans ma discard pile, ce qui n'est pas le cas. J'aurais pioché une carte, mais là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai 5 pour me battre. Je vais aller battre le Hunting Spectre. Ça me donne 4 points. Et puis, je peux bannir jusqu'à 2 cartes de ma main de ma discard pile. Je le ferai pas. Fait que je vais prendre 4 points. Ça va me mettre fin à la partie parce qu'il me reste juste 3 points ici. Donc, je prends les 3. Et puis, je prends un Heavy Infantry pour compenser le point que je peux pas ramasser. Voilà. Ça s'en va dans la défausse. Et puis là, la partie se termine parce qu'il n'y a plus de points disponibles. Et puis, on compte. Donc, je vais d'abord enlever toutes les cartes blanches parce que je sais qu'ils valent 0. Voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes de base. J'ai ça ici. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 2 plus 8, ça fait 10. Ici, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, comme ça. Après ça, j'ai 3. J'ai 3 plus 5 plus 2, ça fait 10. J'ai un paquet de 10, un paquet de 10, puis un paquet de 4 ici. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74 points. On va voir comment lui a performé. Je pense que cette fois-ci, c'est moi qui l'ai eu. Donc à 74 points. Lui, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32, 40, 40, 45, 46, 56, 46, 56, 56, 57, 58 et 63. Donc voilà, donc ça a été une victoire pour moi, de 63 à 74, si je me souviens bien. Ça a été plus facile que la première. La première, là, je suis vraiment tombé sur beaucoup de monstres qu'il a ramassés au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas un jeu qui est très compliqué en solo, là, c'est un petit jeu bien relax. Et puis en plus, regardez, c'est vraiment facile à pouvoir faire un reset de ça. Donc je fais tout ce que j'ai à faire, c'est sortir mes cartes grises, comme ça. Et voilà. Je prends les monstres qui sont ici. Je mets ceux-là. Heavy Infantry. Mystique, Mystique, Heavy Infantry, Heavy Infantry, Mystique. Les cartes blanches sont à moi. C'est ça, je l'ai expliqué tantôt. Donc, ce que ça permet, ça, c'est que quand on joue avec d'autres personnes, on reset la partie. C'est vraiment pas long. Puis on rejoue. Donc, et voilà. On est prêt à recommencer.
Donc tout ce que j'ai à faire là, c'est brasser mon deck. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc on fait juste trier les cartes comme ça, puis c'est... Pour quelqu'un qui joue beaucoup à Legendary, c'est vraiment un gros avantage de pouvoir faire un reset aussi facilement que ça. Puis serrer le jeu, je veux dire, le jeu est prêt pour une prochaine fois, donc c'est vraiment pas compliqué. Cette version-là du jeu, c'est une version à 2 joueurs. Normalement, je crois que c'est 2 à 4 ou 2 à 5. Donc on a un matériel pour 2 à 5 joueurs, avec évidemment, il y a plus de cartes de base, il y a plus de cartes des Infantry Mystic et de cartes de... dans le center row, donc il y a plus d'exemplaires de chaque carte. C'est un jeu qui tourne autour de... c'est 17$ canadiens pour le jeu comme ça à deux, la version Eternal. Je pense que c'est vraiment bonne qualité prix là, pour quelqu'un qui veut jouer un jeu de deck builder. Vraiment pas compliqué, compétitif, ça fait différent d'en avoir un compétitif. Qui ressemble aussi à d'autres jeux qui existent, donc c'est, on n'est pas très dépaysé. Il existe plein de versions, une douzaine de versions différentes de ce jeu-là. Et puis c'est toutes des versions de base qu'on peut acheter individuellement, puis soit les jouer ensemble ou bien les jouer séparément avec des règles différentes. Il y en a qui ont des dés, il y en a qui ont d'autres ressources qu'on doit dépenser. Il y en a que c'est des cartes qu'on doit ajouter, puis là, ça donne des bonus au fur et à mesure qu'on a des cartes. Donc la version que vous avez vue là, c'est une version vraiment de base avec des effets qui sont assez faciles à comprendre. Puis acheter des cartes, attaquer deux, trucs comme ça. Mais on peut vraiment aller dans la complexité au fur et à mesure qu'on avance dans les différentes versions. Donc pour 17$, je trouve que c'est vraiment un produit qui vaut vraiment la peine. Donc voilà. Donc ça, c'était mes deux parties solo pour montrer comment on joue à Ascension Eternal.